Tout comment il est, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azote aujourd'hui dans ce Causer à la Réunion du lundi au vendredi de 6h à 6h25 par là pour parler de l'actualité que dans notre pays, la Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde. J'espère que vous allez bien réveillé, que le week-end a bien se passé, Pouzotte, et que la semaine, il démarre, comme Banaï dit, sur les chapeaux de roue. Alors nous, parler des informations que nous avons ici. Hein, je t'y connais qu'à la Réunion, le Covid-19, c'est 30 personnes maximum pour les mariages, pour les communions et les autres fêtes, et sinon ça, les autres manifestations. Nous va parler aussi avec Saint-Denis avec la reprise des activités sportives le 1er octobre depuis le 21 août. Rappelle Azote que la pratique des activités certaines activités pour faire le sport, tout ça a été interdit par arrêté préfectoral. Plus de 90% des bonnes structures l'a validé ce fermeture là. Ça a joué le jeu et presque tous les sites des sportifs de Saint-Denis après l'a été fermé. Donc après 45 jours, Zot l'a décidé, hein, vendredi 25 septembre. Le maire Erika Baredge de la commune l'a annoncé son désir de réouvrir les bonnes centres, tout ça là, pour permettre aux gens de pouvoir faire Zot sport favori. Et puis la ville de Saint-Denis propose à lui, bien sûr, d'accompagner de travailler en étroite collaboration avec le Ban League, Ban Comité Associatif, hein, qui est basé sur le territoire de la ville de Saint-Denis, et pour justement permettre ce reprise de l'activité dans une sécurité sanitaire. Ce qu'elle avait dit, n'aura bien sûr des mesures strictes à respecter, les gestes barrières. Bon, beaucoup avec le temps, ils respectent plus trop, hein, nous-mêmes dans les actualités, tout ça. Comment il se passe? Donc, on aura des suivis pour ça d'après Erika Baredge. Et les suivis, faudrait que aussi que les gens y jouent le jeu. Nous l'avons bien vu là de ce week-end avec des problèmes que l'on a du côté de Saint-Joseph avec le jardin de Manapani. Nous avons entendu le maire de Saint-Joseph monte un peu le ton, hein, donc là il a envahi, il a chauffaillé, donc il a cri un peu. Vous allez à revoir, hein, sur le site de le réseau social le Facebook, la manière dont lui l'a causé avec les bandes manifestants, hein. Il a fait un dérapage en disant que c'est des contribuables. Donc, il n'a pas dit rien que ça. Hein. Il a dit des choses un peu sorties dans la bouche d'un maire. Il n'est pas évident. Donc, après, l'homme, il reste l'homme. Hein. On peut pas dire un bougre de quand on fait Wenner, il dit n'importe quoi. Et donc, il montre sa vraie réalité, hein, de la vie de tous les jours. Hein. C'est dans la colère ou à, comme il dit, Gramoun l'a dit, dans la colère ou à la vraie vérité de des personnes. Le collectif, là, il veut réapproprier lui, justement, le jardin de Manapani. Le Manaï dit, faut pas dire jardin, il faudra un cours côté de la mer, donc Manaï va rien récupérer. Avec ce crise de Covid là, Manaï veut peut-être passer des affaires en dessous, donc en pensant que Ben de Mouni dort, mais malheureusement, dans ce villa, comme Manaï dit, faut amis sous la terre, il marche sur la, de Mouni en temps, hein. Donc voilà le jardin de Manapani, réservé à un bâtiment à la commune là-dessus. Hein, la commune dit que c'est à lui. Si c'est à lui, normalement quand il est à la commune, un peu au ban contribuable. Hein, donc Manapani a peut-être le droit, faudrait voir. En tous les cas, c'est une affaire à suivre. Nous allons bien voir comment il se passe les affaires. Et puis, nous avons vu aussi que les bonnes candidats, ils couvrent derrière les bonnes mandats. Nous avons des élections qui arrivent. Nous avons les petites élections faille qualité que Nena actuellement n'est pas trop gaillard à suivre. Pourquoi? Parce que, les sous la coupe, comme il dit, du plus gros, la coupe hiérarchique. C'est-à-dire que c'est pas autres qui décident ici à La Réunion, mais c'est plutôt nous connaît que c'est à Paris, là-bas, tout y jouer
l'histoire est jouée de l'autre côté là-bas. Alors nous va aussi, dans ces élections-là, comme d'habitude, hein, c'est des promesses. Il fait tellement de promesses pour gagner la place, mais après, il n'entend plus Azote parler. Hein. Nous-mêmes pour les élections, le maire, quoique le maire des fois lui travaille aussi derrière, donc lui donne des ordres, mais il n'est plus trop sur le terrain. Bah, quand il gagne son mandat, il travaille et on n'entend plus trop parler de Azote, et Azote il fait oublier Azote surtout. Nous va parler aussi dans l'actualité de ce lundi 28 septembre. Le mois est fini, il file vite. Hein. Nous va parler aussi des accompagnements des entreprises et des travailleurs indépendants, ce qui change pour ce mois-là, en train de changer, et pour la suite aussi, pour aider les entreprises, les auto-entrepreneurs, pour surmonter justement cette crise sanitaire, économique par rapport au coronavirus. Et en raison aussi des difficultés de trésorerie, le réseau de l'URSSAF l'a mis en place depuis le mois de mars, des mesures exceptionnelles d'accompagnement hein, et de réajustement a été pris justement dans ce mois-là et va continuer à être pris. C'est à Azote d'aller voir justement la Caisse Générale de Sécurité Sociale ou sinon ça, Azote Caisse qui accompagne Azote parce que comme il dit, il y a le coronavirus, l'activité économique qui continue derrière, on a de l'argent, il faut bien payer les impôts, il faut bien payer tout ce que Azote doit pour pas être ennuyé NC4 dans ce problème de trésorerie. Alors mieux vaut que Azote fait un geste, Azote ça va voir Azote Caisse Générale de Sécurité Sociale, sinon ça Mayotte, c'est la CSSM même, je crois. Alors comme c'est un département, nous dans l'océan Indien, Azote ça voir ça, Iris va régler le problème normalement. Nous va passer du côté de la 5G à La Réunion avec 50% des parts de matériel Huawei, des antennes, tout ça, sur le réseau Orange à La Réunion. Donc, il pose un gros problème. NAS sera obligé de démonter. Ça, c'est l'Agence nationale de sécurité, l'ANSI, je crois quoi là, qui veut que ces affaires se passent comme ça. Nous l'a bien vu, ça a commencé il y a 2-3 mois de ça, puisque on avait causé de ça par rapport à l'Angleterre que l'été avec les États-Unis et l'Angleterre, les deux pays quasiment indépendants, puisque l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne. Donc Azote n'a cette affinité entre Azote, donc Huawei qui fournit les matériels pour le réseau 5G, les accusés d'espionnage. Donc voilà pourquoi il veut pas que ce groupe chinois, qui est en pleine expansion, parce que Huawei, il faut faire très attention, c'est un groupe qui tient pas mal de parts de marché, vu que tout le marché GSM français, plus de 50, même 90 ou 50%, c'est plus de 80% bien regardé, matériel chinois que Azote gère. Et donc en gérant tout ça, en gérant le numérique, en gérant toutes les réseaux internet, téléphonie mobile, donc Azote n'a la main mise quasiment sur quasiment tous les États. Donc les États-Unis ne veulent pas trop ça. La France, y a suivre par derrière, hein, les commissions, tout ça. Et donc, c'est une affaire à suivre. Donc la 5G à La Réunion, Dominique rit parce qu'il fait mal à Azote tête. Et il pense qu'il fait mal coco aussi, bon décideur politique, tout ça. Après, il rappelle à Azote aussi les données numériques. Pour Azote, ça va sur les réseaux sociaux, parce que Azote s'inscrit à Azote sur des sites, tout ça. Oublie pas que tout ce que Azote y met dessus, les sauvegarder et les jamais effacer. Parce que les sauvegarder dans un trou, dans un coin de l'autre côté là-bas. Nous avons bien vu que sur Facebook, par exemple, nous avons eu des erreurs qui ont été faites par le passé. Des gens l'ont reçu, a vu Azote message délivré à l'air libre dans Messenger, tout ça. Donc, le système de sécurité, maintenant, on a bien travaillé. Avant d'aller sur, inscrit Azote dans ce truc, dans ces affaires-là, avant de mettre Azote numéro de compte en dedans, garde bien que Azote y fait. Parce que le numérique, les faciles, les plus pratiques, les moins chers, mais il y a un coût quelque part, il y a quelque chose à payer derrière. Donc, fais attention à ça. Et puis, maintenant, il y a où faut le HTTPS. Quand il voit que l'écrit HTTPS, c'est bien le HTTPS, mais maintenant, les dépasser le HTTPS, il faut aller sur des sites bien que Azote y connaît bien et qu'elle a été conseillée par des organismes bien précis, hein, des organismes sérieux, parce que le HTTPS, tout le monde peut acheter du HTTPS, hein, un certificat SSL, si on a la monnaie, ouais.
ou achète et les pirates acheter un certificat SSL n'est pas compliqué pour autres, hein. Ils ont de l'arnaque à où avec de l'argent, ils ont acheté ce petit cadenas en l'air, ils mettent dessus le site là-bas là. Après ils ont des prix dans les affaires. Donc on referme cette parenthèse là-dessus. Ne pas faire arnaque à autres. Surtout, demande conseil à votre bonne camarade Iconé. Demande un conseil, moi, ne bouge pas plus couillon que zot, hein, parce que je te demande un conseil, que demander plus couillon que zot, c'est pas bon non plus. Donc, demande conseil. Et si zot, des personnes fragiles, vieux moon, tout ça, alors les vieux moon encore plus fragiles là-dessus, et zot, il fait attention, à ce que Marmaille prend pas zot carte, il mette pas dans le petit machine internet, parce que sinon ça, ben, il peut jouer dedans, il peut récupérer le code, tout ça là. Fais un petit peu de la parenthèse de ça. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de parler déjà 6h11 sur Télécréole et sur les réseaux sociaux. Mais on profite pour saluer Azot, c'est qu'il regarde à nous, elle est là tous les matins et aussi sur la télé, sur les réseaux, le réseau social Facebook et aussi la rediffusion le soir. Hein. On va parler aussi du Covid-19. Avec les médecins qui réclament des mesures assez fortes. Alors, collectif de médecins qui réclament la mise en place, depuis ce week-end, des mesures assez fortes pour éviter le deuxième vague, que la manière un petit peu plus difficile à gérer pour les bonnes, l'hôpital, tout ça là, hein, les services réanimation. On aura de gros problèmes. Et ben là, il dit 100 mesures fortes pour l'épidémie, contre l'épidémie, les 20 patients que les admis chaque jour en réanimation sera notre problème, sera un gros problème, hein, même ça aussi. Hein. Donc, chaque mois, dans un mois, sera environ pour le prochain truc, ben là, il prévoit 650 de cas en réanimation, je dis pas à peu près ça, hein, 650. Et le compte tenu maximum que Banal a connu pour la première vague va dépasser 1200 mi-novembre. Banal prévient que si Banal ne fait pas un geste pour mettre des mesures fortes, va dépasser les 1200 comme il dit Azot à mi-novembre. Alors ça sera un peu plus compliqué alors qu'avant il était environ 650. Mais espérons pas trop mailler. Hein. L'Espagne, Israël, le Royaume-Uni, l'Italie, depuis plus de 15 jours, elle a déjà mis en œuvre ces bonnes mesures contre certains pour le confinement, parce que ben, un pays veut reconfiner aussi, hein, certains pays, hein, inquiète pas autre. Hein. Et puis la situation sanitaire de la France n'est pas différente de celle des autres pays. Il hein. Ne faut pas nous dire que de l'autre côté, la France est plus à fait, le bon pays là-bas. Les plus dans la merde, comme nous dit ben la France, elle y est dedans aussi, hein, donc il n'y a pas fait grand chose. Voilà, donc nous va fermer la parenthèse là. Après, nous va aller faire un petit tour avec le vainqueur des rallyes qui a eu lieu ce samedi, si je ne me trompe pas, et il était en direct sur Télécréole. Mais écoute la réaction du vainqueur de ces affaires là. Pop, surtout le tampon de Thierry Lauland qui avait fait 3.43.3 au premier passage et 9 secondes de... Le temps est belle parce que je suis passé par des galères et cette victoire est bien claire parce que des moments difficiles et de bien gagner, c'est... En tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Merci à mon équipe, à ma femme, à mes enfants et à ceux qui sont toujours là pour moi et qui est toujours là pour moi malgré mes erreurs. C'est pas mal, on a travaillé dur ces dernières semaines pour être à ce niveau-là. L'équipe a fait un super boulot pour aller la voiture à moi et... Et toi, physiquement, tu as récupéré, tu as 100%. 100% peut-être pas, on est à 95%, mais bon, allez là. Ça, c'est un bon point. C'est ça qui est obligatoire. C'était, en tout cas, là. Je ne sais pas quelle est la condition. Et puis voilà, ça a payé. Je suis content parce qu'on fait un retour après 4 ans. Premier retour et première victoire, c'est bon pour l'avenir. Et puis, ça va permettre de remettre beaucoup de choses en place parce que beaucoup de gens disaient que la voiture n'était pas performante. On l'a prouvé le contraire. Merci beaucoup. Beaucoup de gens ont dit que j'avais plus les performances pour revenir gagner des rallyes. On l'a prouvé le contraire. Et voilà, et ça permet de remettre beaucoup de choses en question et les gens vont arrêter de nous dénigrer. Ça serait sympa. C'est de bon augure pour le tour auto. Ah ouais, c'est de bon augure pour le tour auto. On se prépare pour le tour auto. C'était un rallye de préparation.
Le championnat, même, on peut dire. Le championnat, ouais. Il reste trois rallyes. Il reste deux rallyes, là. Et voilà, on va tout faire pour essayer de revenir et récupérer notre titre qu'on a laissé en 2016. Voilà des images du rallye que laisse passer samedi. Et puis, il est un petit peu dommage parce que des personnes l'avaient balancé des clous par paquet sur le circuit. Ce que l'a dérangé un petit peu, des personnes et malveillants, on connaît dans la vie, là, toujours ces personnes qui passent tant à faire du n'importe quoi, acheter des clous, mettre sur la route, justement, pour piasser la roue. Des voitures, mais ça nous a pas dit que les clous là chapent d'un camion, hein, qu'est-ce clou chapent d'un camion là, tomate, donc apparemment ben voilà le système, comment il est, hein, quand il organise des choses, bon, faire très attention, avec, et en plus c'est dangereux, la vitesse que Bana il roule avec des clous sur la route, il risque capable de faire un accident, des accidents assez graves. Après, il y a des gens qui prennent rien dans leur tête pour faire des choses pareilles. Et malheureusement, comme il dit, il existe tout ça dans le monde. Nous va partir justement sur le droit de Moon, là. Si vous êtes l'attrape, vous êtes en train de mettre clou sur la route, ban broquette, dans le temps longtemps dans les élections, t'es médecin, hein. Donc les gens, t'es pièce la route de Moon, t'es fan broquette dedans. Et si l'attrape, vous faites ça, ils risquent d'avoir des gros problèmes parce que ils savent pas taxer rien que les bonnes rallyes. On est là des gens qui, les particuliers, là, qui travaillent sur la route, ça travaille grand matin, la roue PSC. On a aussi des bougs en moto là-bas, il roule assez vite quand même, les pressés rentrent de travail dans ces virages-là, surtout sur la route chemin ceinture, sur la route des plaines, l'est assez dangereux. Et la ville de Ben-Rempart, par place où ça n'est là, ben, si un moulin la roule a pété, elle a pété de contrôle, ou la vienne gagne PMI, ben, il capote dans le fond la ravine, les risquables d'être durs. Donc un peu de civisme pour zot, hein, c'est de la mettre ça, zona, si zot na zot machin pour gratter, allez, gratte ailleurs. Ok. Nous allons passer avec le droit de Moon, n'a point le droit de casse un case, si même que c'est où à l'arranger, si terrain, si terrain notre Moon. Par exemple, vous faites un case, si terrain de beau-père, ou vous faites un case, si terrain de belle-mère, tout ça là. Donc, si vous voulez aller ou l'arranger, ou la laisser ça pendant 10 ans, ou l'habiter dedans, ou la bien profiter, ou la pas donner rien à l'argent, même que vous la donnez, ou la aider à la participation, le case, il reste la propriété du propriétaire du terrain, si je ne me trompe pas. Alors donc, il est tout à fait logique. On ne peut pas apporter le ou de case avec ou avec le terrain. Donc ramasse votre bonne facture quand tu fais ça. Et attention, pas en garde, si vous n'avez pas payé le loyer, pas payé rien du tout, les bonnes factures, le monde demande à vous l'argent le temps que vous arrêtez. Si vous avez une facture de 10 ans, il demande à vous des factures de 10 ans. Tracam à Yazot. Donc, si terrain propriétaire, il arrange pas la case. M'avait dit déjà ça. Bon, ça réfléchit bien. Nous va passer avec causement la réunion. Il faut tourner 7 fois haute langue dans notre bouche avant de causer. C'est un causement, Gramoun l'a dit longtemps. Et la langue, c'est un petit morceau qui risque le plus souvent des fois de faire condamner, de faire tuer une personne, de faire entailler la geôle, tout ça là. Et nous dit tourne 7 fois haute langue dans notre bouche avant de causer. À pauvre Diane affaire. Nous va parler des mots en réunionnais. Le mot en réunionnais, j'ai dit, nous a le mot nick. Alors Bana là-bas dit nick ta mère. C'est un gros mot que Bana il dit. On entend beaucoup de jeunes dans le jeu là, man jeune comme est là. Ouais, c'est il dit ça tout ça là. Mais nick n'en a plusieurs significations. Ici à la Réunion, le nick, c'était c'est pas ce que Zoti pense. Nick, c'est les feuilles de coco. Quand Zoti fait un balier nick par exemple, les gens ils prennent les feuilles de coco que les secs, ben là ils enlèvent tout le banotti pour léger dessus, il reste une petite tige sur la feuille de palme là, ben là, ils prennent cette petite tige là, Zoti enlève bien la peau de chaque côté, il reste une petite tige bien flexible. Zoti fait un bon paquet environ de 5 cm et Zoti balaye Zoti court avec. Voilà, c'est le nick. À quoi il sert, hein. Dans le temps longtemps, on t'a dit balier nick. Alors ça, il trouve plus du tout. Et par contre, le balier nick, il est très très bon. Les contrairement au ban balier que nous achetons dans les commerces bon marché pour balayer la cour, il casse tous les 2 mois, il faut changer. Un balier nick, je peux dire, ah ouais, 1 an, 2 ans, hein, c'est une affaire qui use pas du tout. Donc revenir, nous, comme ça, il faut pas nous revient.
Comme Macron il disait, il faut pas. Certaines personnes, il veut revenir à lampe à huile. Ben des fois, il peut arranger aussi la situation si de Monivia retourne un peu que ce ban balénique là. Donc c'est pas mal aussi. Balier chemin partout. D'ailleurs à Maurice et dans à Maurice, on a vu des gens utiliser ça. À Rodrigue, on a vu des personnes utiliser encore ce balier nique là. Et crois-moi, sur la plage, ben là, ça il nettoie bien les affaires. Hein. Pour la réunion, on va faire de la météo. On va faire de la météo avec le nez gras de grand matin, il ne connaît pas. Ça, c'est à chaque fois qu'il fait mon émission. Hein. Bon, la réunion météo, temps couvert. Le matin, par place, n'aura soleil comme Saint-Pierre, Saint-Joseph. L'après-midi, n'aura bonne nuages dans certaines parties des Hauts, avec la pluie sur Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Piton-Sainte-Rose. Un des grains est prévu là-bas. Sur côté de la plaine des Palmistes aussi, la pluie est prévue. Sur côté de Mayotte, le matin, le temps sera couvert. L'après-midi et tout ça, le temps après vers Parmandzi, il y aura aussi du soleil. Nana fait, moi l'ai oublié avant de finir. Je m'ai oublié d'envoyer le petit causé, destination réunion. Nous va envoyer ça juste après, hein, donc après la météo, hein, une fois de pas coutume. Hein. Alors, météo le matin, comme on l'avait dit aux autres, sur Mamoudzou, Parmandzi, l'après-midi, il aura de soleil. Maurice, le matin, l'après-midi, il aura un beau temps, les prévus ensemble, bas nuages par place. Et comme on l'a oublié, avec tous les trucs qu'on a dans la tête là, le jardin de l'État, le jardin de Saint-Pierre, qui devait passer ce matin, là, décale un petit bout vers les bas, mais il passe ça, nous retrouve tout de suite après, le jardin de la mairie. Dans notre pays, La Réunion, on est là des coins qui sont assez extraordinaires et assez jolis. Et aujourd'hui, on va à Zot faire un tour du côté du jardin de la mairie. C'est une des seules mairies à posséder un jardin de cette qualité ici, La Réunion. Ailleurs, on ne dit pas n'a point, mais ici, avec des fontaines à l'époque coloniale. Et la mairie est située dans un ancien bâtiment de la Compagnie des Indes. Là-dedans, dans ce bâtiment-là, longtemps, de Mounte fait pas mal de choses. C'était un endroit où ça l'avait, il traite toutes les produits, les épices. L'était aussi un endroit où ça, il recrute de Mounte pour travailler, mais aussi il fut un temps pendant la période de la guerre, ça on l'a entendu parler, on m'a pas vu, dans la période de la guerre, t'es là pour recruter les gens, t'es bien là pour être recruté, pour aller justement faire la guerre. Ce mairie là est assez extraordinaire puisque quand tu regardes là en plein milieu sur la tête en l'air, on a une sirène. Alors là, cette sirène là, comment ça a été fait, m'y connais plus si marche encore, ça longtemps pour qu'on entende. Hein. Il avait une sirène qui annonçait quand il avait un problème sur la ville. Et c'était une sirène qui portait assez loin jusqu'à la balance. Nous t'entendons ce sirène-là quand il avait un problème dessus. La commune, par exemple, avait le feu, par exemple. Avait une affaire qui était importante. Donc ce sirène-là, il sonnait pendant un certain moment. Et puis nous avons aussi un joli fontaine que nous l'avons vu au tout début et que nous revoilà. Dans ce jardin-là, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons quand même des monuments qui représentent des personnes qui sont mortes pour la guerre mondiale. Il y en a aussi des hommes importants qui les en statue de bronze à Téla. Mais ce jardin-là, il est assez extraordinaire parce que c'est un endroit où le monde y aime, il vient venir à Téla pour reposer aux autres, quand tu vois la beauté de ce endroit-là. Juste par en bas de ce jardin-là, il y a le poste police. Et juste en face, la fontaine que nous voilà, un petit peu par dans le fond, en face là-bas, il y avait les fameuses toilettes publiques que l'été à Téla. Alors, il y avait aussi un citerne de l'eau, t'es partout dans le coin, et un joli pied de tamarin que l'été à Téla. Je ne m'y connais pas s'il est encore là, hein, parce qu'on m'a passé, on dirait, a fini coupé, hein, je ne m'as plus dans la mémoire. Voilà, en gros, petit battage carré
dans les villes et quartiers de notre pays, La Réunion. Et aujourd'hui, on l'emmène à Zot, justement, dans le jardin de la mairie, dans ma commune à moi, hein, à Saint-Pierre, où les gaillards, il fait bon de venir à Théala, prendre l'air, surtout le dimanche, en point de moune, le matin, ni à Théala, bas de carré, assise, prend l'air. Et écoute un peu Joyeux chanter, sinon ça, dans la semaine, rien que le taux, il klaxonne dans tous les sens. Voilà pour ce jardin. Voilà, voilà le jardin de la commune de Saint-Pierre. Gaillard même allé visiter. Si ça, midi Azot, merci d'avoir suivi ce Causer la Réunion. Nous donnons Azot rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25. Mais remercie le technicien que le lot côté là-bas. Et puis, tout ça là, donne la main pour faire ce Causer la Réunion. Tiens, beau serré, largue pas, n'y a trop. Bonne journée Azot.